J'espère que vous allez bien, ici Auteur, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Arc Cluster. Et aujourd'hui j'ai des lamproies et des saumons, donc c'est pour ça depuis le dernier épisode et cet épisode que je n'ai plus de stuff, parce que à chaque fois je le trimballe de là à là-bas, et vu qu'ici je m'en sers pas vraiment, c'est juste pour du coup tester les dinos, et après je vais du coup le timing là-bas. Du coup, ça sert à rien de tout déplacer d'un coup et tout ça. Enfin, petit à petit. Moi, ce que je fais, c'est que j'envoie juste les trucs que j'ai besoin. Et puis voilà. Donc, bon, après, il me reste encore quelques dinos à table que je vais faire prochainement. Donc, le Quetzaltec, je vais essayer d'en trouver un. Le Rock Element. Le Liplerodon. Le Phoenix. Le Giganotech, et puis on sera déjà pas mal. Il restera encore quelques dinos, mais on aura déjà fait une grande partie. Donc le lamproie pour le tam, c'est très simple. C'est comme le saumon ou comme les autres poissons, faut avoir des nasses et les bloquer, et puis après voilà. Donc bon, si pour ceux qui ne savent pas, les lamproies c'est vraiment des sales bêtes. Je sais pas si vous avez vu. Lors d'un épisode, je me suis fait attaquer par un lamproie et c'était vraiment horrible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, vu que c'est des saumons X. Donc, voilà. On va faire agressif. Ouais, ignorer. Activer la promenade. Et copier pour tous. Du coup, ça va juste copier pour les deux. Pas bouger un seul et pas bouger un seul. Donc, eux, ils vont faire leur vie. Pourquoi je mets en moyen? Parce que j'ai pas envie non plus qu'il y ait une bête tout là-bas et qu'ils aillent direct, parce que dans tous les cas ils peuvent rien faire contre eux. Les lamproies aussi, je pense. Donc on va éviter paramètres de la récolte. Ok. Donc je veux qu'ils ne récoltent rien. Donc c'est pour ça. On peut pas faire de repro dans tous les cas. Ok, c'est un bon truc à savoir. Ignorer les sifflets de groupe, activer la promenade, et ensuite on va faire copier. Et voilà. Et donc, si je vais par exemple dans l'eau et tout ça, vous venez. Euh, 152 de vie, ouais, bon, dans tous les cas, ils ont pas énormément de vie. 94, 95, ah ouais. Donc, ah, un pingouin. J'en ai encore des pingouins. Hein? Donc ouais, après aussi je vais refaire de la repro de pingouins. Je vais refaire de l'espéornis, je pense. Mais en fait, il y en a presque plus. Il n'y a plus que deux, mais bon. Donc, on va faire. Pas bouger, pas bouger, pas bouger, pas bouger. On a encore un et pas bouger. Donc dans tous les cas, ça avait pas énormément de dégâts. C'est des bêtes toutes nulles, mais au moins ça remplit un peu l'aquarium, on va dire. Parce que c'est un peu un aquarium, hein. Il y a toutes les bêtes. C'est assez stylé quand même. Il y a un petit truc qui fait de la lumière et tout. Donc voilà, bon, j'ai presque plus rien, hein. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus énormément de bêtes. Soit parce qu'elle bug et elle. Enfin, il n'y a pas de mort, mais je pense qu'elle beurre et. Qu'elle bug, excusez-moi. Qu'elle beurre. Et que du coup, elle passe à travers la map et que ça dépop. Je pense. Parce que j'en avais beaucoup plus. Par exemple, en mégalodon, j'en avais beaucoup plus. Basilosaure, pareil. En termes de ça, là, j'en avais beaucoup plus. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ok. J'avais aussi un autre. Mais je sais plus où il est. Un autre Spino.
Ah. Shadowmane. Keruku. Et c'est pour... C'est pour une loutre. Ah, ça m'attaque! Attendez, je vais quand même traîner le corps. Mais... Mais c'était pour ça! Ah ouais, les salauds. Mais il y a un spawn ici de loutre. J'avais déjà remarqué qu'il y avait déjà une loutre. Il y a longtemps. Ok, bon, tant pis. Donc là, j'ai toujours de la place hein, si je veux mettre des dinos et je pense que j'en mettrai plus tard. Mais bon. Donc nous, on va déjà s'arrêter là. En tout cas, c'est cool. On a un peu ravivé un peu l'aquarium. On va toujours continuer. Je vais peut-être ramener quelques autres dinos. Là, j'ai quoi? Basilosaure et deux mégalodons. Ok, bah, c'est pour ça aussi. Je vais ramener encore du pingouin. Je vais ramener, je pense, du Keiroku du coup. De l'espé, parce que l'espé ornis pareil, j'en avais plein, mais ils sont où? Alors je sais qu'il y en a qui se baladent, mais bon. Espé ornis, ok. Ouais, bon, ils se baladent dans tous les cas. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la clochette et hauteur. N'oubliez pas que je vous kiffe. Allez, ciao!